Salut mon ami. Alors, si tu es fatigué de perdre de l'argent dans les jeux en ligne, alors regarde cette vidéo. Je vais te montrer une astuce vraiment très puissante. En fait, c'est une faille que j'ai trouvée dans les jeux Timble. Donc, c'est une faille qui va te permettre de gagner tous les jours. Mais pour cela, tu dois procéder avec un ordinateur. Donc, la faille fonctionne uniquement sur un ordinateur. Donc, d'abord, le jeu Timble se trouve dans la section 1X Game. Donc, vous allez juste venir dans le menu ici. Vous venez dans la partie 1X Game si vous êtes sur mobile. Donc, ici, il y a une barre de recherche ici en haut. Vous venez dans la barre de recherche ici, vous écrivez Timble comme ceci. Donc, Timble, c'est ce jeu en question, c'est le jeu-ci en question. Donc, mais la faille, je veux pas, la faille ne fonctionne pas sur mobile, ça fonctionne uniquement sur PC. Donc, je vais vous montrer comment craquer le code source du jeu en question pour pouvoir tricher la boule. Donc, déjà, vous devez connecter votre compte sur PC, sur votre ordinateur. Donc, sur la plateforme en question, voilà. Donc, moi, comme vous pouvez le constater ici, j'ai bien de l'argent dans mon compte. Je suis avec plus de 2 200 $. Donc, même si vous êtes en France CFA, il n'y a pas de problème, ok? Donc, vous allez juste venir dans la partie 1X Game. Vous venez dans la partie 1X Game comme ceci. Vous cliquez là. Donc, parce que la faille que je vais vous montrer, ça fonctionne que sur les 1X Game. Voilà. Donc, dans 1X Game là, vous allez chercher Timble. Donc, venez dans Timble là. Vous allez suivre la procédure comme moi. Vous venez dans la barre de recherche de 1X Game ici. Vous écrivez là-bas Timble. Comme ceci. Voilà le jeu en question. Donc, vous allez aller sélectionner Timble là. Voilà, je sélectionne. Cette faille est inédite. Donc, je tiens à préciser que même les gens de XBET ne connaissent pas ça. OK? Donc, là, ce qu'on va procéder, c'est quoi? Vous allez sélectionner à 2 boules. Comme ceci. Vous venez vous sélectionner à 2 boules. Voilà. OK? Et ensuite, vous allez procéder à votre mise. Donc, par exemple, là, je vais placer, par exemple, 10 $. C'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Voilà, 10 $. OK? Mais avant de le faire, au début, on va d'abord sélectionner la première case qui doit être perdante. Donc, on va d'abord mettre le petit montant. Je vais placer 1 $ comme ici. Vous allez placer en fonction de votre capital. Hein. Je vais d'abord 1 $, je vais faire jouer. Bon, pour moi, c'est que je veux d'abord que ça perde. Regardez. Bon, regardez, je vois que les 2 boules sont dans les 2 cases, n'est-ce pas? Mon objectif est de pouvoir identifier les cases qui a la boule automatiquement. Vous avez vu. Regardez. Regardez d'abord. Cette fois-ci, c'est vraiment, je peux dire ça, c'est la loterie. Donc, peu importe que je gagne ou bien je perde, mais la suite, je vais gagner. Je sélectionne par là le premier comme ceci. Regardez, je suis gagnant, n'est-ce pas? Voilà. Vu que je suis gagnant, je connais que c'est ceci qui a gagné. Je vais faire un clic droit sur ça, sur la case gagnante. OK? Je vais descendre et sélectionner la partie. Donc, j'ai fait un clic droit avec ma souris. J'ai fait clic droit. Je vais aller dans la partie inspecter. Je vais partir à inspecter pour que ça affiche le code. Quand je vais cliquer sur inspecter, ça va afficher le code source comme ceci. Le code source du jeu. Donc, vous allez constater que la case-ci, là, si je viens ici, vous voyez, quand je viens sur la zone-ci, là, donc, en fait, en bougeant comme ceci, ça va sélectionner les trucs seuls, vous voyez. Ça va sélectionner les cases seules. Mais bon, déjà, comme je connais que c'est cette case qui a gagné, voilà le code source ici, OK? Donc, je sélectionne le code source comme ceci. Donc, là, on va craquer le jeu. Donc, je sélectionne le code source comme ceci, voilà. Je connais que le code source correspond à cette balle, voilà. Ce qu'on fait maintenant, c'est quoi? C'est que, comme je connais que c'est ça ici, OK, je vais venir cliquer, je vais venir placer 10 $ comme ceci. Je place 10 $ comme ceci. Bon, ça fait 11 $. Je connais déjà que c'est cette case qui est gagnante d'abord, premièrement. La balle se trouve ici. Ce que je fais, c'est que je viens là, je fais play. Quand je vais cliquer sur play, je vais rapidement venir positionner le curseur ici pour suivre la balle. Donc, quand je vais faire play, je viens déjà placer le curseur sur lui ici. Le voilà. Vous avez vu, j'ai placé sur lui ici. Le voilà. Vous voyez, regardez comment. Il va suivre. Donc, la faille dans le système, le code source HTML va craquer le système automatiquement. Regardez, ça va craquer. Donc, déjà, voici la balle là, ici en question, là où on a positionné l'argent. Donc, regardez, maintenant, je viens sélectionner comme ceci. Et du coup, voilà la boule qui sort automatiquement. Vous voyez? Donc, du coup, on est gagnant. Voilà. J'ai fait 11, j'ai placé combien? 11 $. Regardez, automatiquement, c'est sorti. Je suis gagnant. Donc, là, regardez, on connaît que la boule se trouve encore toujours ici. Donc, on va venir dans le code source ici. Essayez de connaître où se trouve la boule. Bon, la boule se trouve là. Voilà. Comme je sélectionne là, c'est ça ici qui sélectionne. Donc, regardez, je vais passer à 22 $. Je positionne encore. Je suis à 22 $. Je reviens là. Je sais que je suis ici. Regardez. Je sais que là, ici, correspond à ici. Voilà. Je clique comme ceci. Bon, je vais venir cliquer sur play et courir rapidement déposer le curseur dessus. Donc, je fais play et pas vite déposer le curseur sur lui ici. Voilà. Bon, j'ai même placé sur le deuxième. Donc, le curseur est venu pour sélectionner. Regardez automatiquement, la boule est ici dedans. Regardez, la boule est ici dedans. Regardez, quand ils vont finir, je vais aller sélectionner, la boule va sortir. J'ai placé 22 $. Donc, regardez, voilà, c'est ici au milieu. Je sélectionne comme ceci. Regardez,
Notre boule sort automatiquement, les gars. Donc là, les amis, vous voyez, le système a été craqué. Le système a été craqué. Mais ce système, je tiens à préciser que ça ne fonctionne que sur les nouveaux comptes OneEasyBet nouvellement créés avec le nouveau code promo. Donc, ça avait le nouveau code promo. Voilà. Donc, et le code promo, c'est le code promo 247. C'est le code promo certifié par l'entreprise OneEasyBet 247. Donc, le 247. Donc, du coup, vous devez procéder au nouveau compte comme la procédure que je vais vous montrer. Regardez, on va encore de nouveau craquer le système. Je vais encore rejouer 22$ comme ceci. Je rejoue comme ceci. Je connais que la balle se trouve là. Regardez, je n'ai pas envie de suivre. Voilà, j'ai déjà positionné. Ok. Regardez, automatiquement. Regardez, automatiquement. Je veux connaître où se trouve la balle. Voilà. Le voilà. Donc, je suis en train de craquer le code. Le voilà. Voilà. Je viens juste sélectionner là. Voilà déjà l'argent qui va sortir. Voilà. Je suis toujours gagnant, les gars. Donc, vous pouvez tester à plusieurs reprises. Ça marche vraiment, les gars. Ça marche pour de vrai avec le code promo craqué, le code promo certifié par l'entreprise OneEasyBet. Donc, regardez, je vais encore de nouveau relancer Timble là. Ok, je ne vais pas suivre. Le voilà. Je suis en train de le suivre, vous voyez. Bon, un instant, j'ai perdu. Voilà. C'est lui ici. Je suis en train de le suivre. Regardez bien. Regardez très, très bien. Le voilà. Ok. C'est là, c'est lui. Il vient ici en premier. Donc, là, c'est sur le premier comme ceci. Le voilà. Voilà. Donc, les gars, vraiment, c'est avec ça que les gars se font des millions dans leur chambre. Mais c'est l'astuce que la plupart des personnes ignorent. Et cette astuce est uniquement c'est certifié. Donc, les gars, c'est moi qui ai pu craquer ce système. Donc, n'hésitez pas à partager la vidéo chez vos frères qui ont aussi besoin de gagner. Mais je tiens à préciser que ça ne fonctionne qu'avec les nouveaux comptes avec le code promo certifié 247. Donc, avec si vous avez d'autres comptes, ça ne va pas fonctionner avec les autres codes. Donc, avec ce code promo, ça va craquer. Et du coup, ici, vous aurez vraiment comment ça fonctionne. Donc, pour ceux qui veulent plus de détails, vous avez le Telegram en description de cette vidéo pour intégrer le canal Telegram.